Hello, hello, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne, Soso et ses passe-temps. Alors aujourd'hui, un petit haul, Action. J'ai été faire un petit tour chez Action pour avoir de la peinture blanche pour le bois et j'en ai pas trouvé, je suis ressortie avec autre chose. Voilà, j'en ai pas trouvé. Donc je vais vous montrer tous les petits articles que j'ai trouvés. Il y a des petites nouveautés que je n'ai pas encore testées, on testera ensemble, et d'autres qui sont banales. Je pousse tout ça. Alors, j'ai déjà pris ceci. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu as déjà fait des bougies avec... Oui, mais j'en ai pas de la dimension là et il m'en faut pour mes trucs. Voilà, vous voyez, ils sont ovales. Et je les ai payés pas grand-chose. Je vous dis ça tout de suite. J'aurais dû prendre 99 centimes. Pièce. Voilà. Donc, il m'en fallait des petits et des comme ceci pour faire une réalisation. Donc, au pire, voilà. Et il y en a quand même pas mal. Donc, du coup, j'en ai pris deux paquets. Et il y avait d'autres formes encore. Mais c'était celle-ci qu'il me fallait. Ensuite, je me suis pris ça. Voilà, c'est pour faire mes mélanges puisque je peins mes petits macarons. Et du coup, bah, j'avais pas de... à chaque fois, je rince mon pinceau, enfin, j'ai pas d'accessoires pour pouvoir faire ma peinture. Donc, la palette, j'ai payé 45 centimes. Vous voyez, 99, 99, 45 centimes. Et du coup, bah, j'ai pris le gobelet aussi. Alors, j'ai pas compris leur système, comment ça fonctionnait, ça. Sur l'étiquette, on voit que le gobelet, il tient, enfin, le truc, il tient. Mais moi, chez moi, ça tient pas. Là, il y a l'encoche, donc forcément, c'est pour mettre le petit truc là. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors après, je ne l'ai pas pris pour le couvercle. Hein. Je l'ai surtout pris que ça permette de rincer le pinceau. Et ça se dévisse en plus. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Hein. Je ne l'ai pas payé. C'est pas grand-chose non plus. Je vais vous dire ça. 65 centimes. Donc vraiment, je n'ai pas fait des achats, excusez-moi, très onéreux. Parce que de base, j'y allais vraiment pour la peinture. Bah, après, j'ai trouvé mon pot à peinture, hein, mais je veux dire, j'ai pas trouvé ma peinture blanche pour mettre sur du bois. Et puis ça m'énerve, ça tient pas. C'est un truc de dingue, je sais pas. Bref. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est une boîte de rangement. Voilà. Il y en avait plein de modèles différents. Moi, j'ai pris celle-ci. C'est pour mettre mes petites boucles d'oreilles pour mon village de Noël. Parce que il y en a qui sont emballés. Mais le modèle type qui sera mis sur le présentoir, bah forcément, je vais les mettre là-dedans. Parce qu'ils sont en vrac pour l'instant dans des petits sachets et ils vont s'abîmer, en fait, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir les mettre dans les compartiments. Donc, vous avez quatre compartiments carrés et vous avez un rectangulaire. Si, franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. La fermeture, elle est cool. Ils sont vraiment sympas. Et donc, cette petite boîte... Alors, attendez voir, parce qu'il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Et... Pourquoi c'est marqué poulet? Ah, pédigré poulet, excusez-moi. C'est les gâteaux du chien. Je disais, mais pourquoi c'est marqué poulet? J'ai payé 99 euros. Ça, en fait, c'est les jumbo de mon petit toutou. Voilà, parce qu'il a un jumbo à goûter, donc et à chaque fois que je vais chez Action, bah, je refais le stock quoi, en fait. Donc non, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Voilà. Hop, je vous les mets comme ça. J'ai pris les cinq couleurs. J'ai eu le bonheur de trouver les cinq couleurs. Vous avez or, argent, gris foncé, hein, qui tire sur l'argent, rose et violet. Ces petits articles sont au prix de 99 centimes. Je vais vous descendre. Voilà comment ça se présente. Alors, si vous voyez, c'est marqué Glosser Spray, Studio, ce n'est pas du maquillage. Si vous lisez la notice, c'est marqué Article d'artisanat pour adultes gardés loin des enfants. Ça doit être très toxique, je suppose. Et donc, vous n'avez que 5 couleurs de disponibles. Donc, les 5 couleurs que vous avez ici. Je n'ai pas, absolument pas testé. C'est une nouveauté de chez Action. Donc, on va l'ouvrir ensemble.
Je vais en ouvrir qu'un, hein, parce que c'est, clairement, ça ne sert à rien d'en ouvrir 50. Il n'y a pas de notice. Vous voyez, alors, c'est très pailleté nacré. C'est liquide. Et ça se présente comme un spray. C'est marqué que quand on l'applique, il faut attendre 15 minutes pour le séchage. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, on l'essaiera ensemble. Je prendrai un macaron qui est blanc ou autre truc que je dois mettre et ça sera des essais. Il n'y a rien du tout de marqué. C'est bien dit qu'il faut faire attention aux enfants. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est très toxique dedans. Ou voilà. Après, c'est sûr que c'est pas le, je pense que c'est plus parce que ça ressemble à, à du parfum ou du gloss ou des trucs comme ça. Mais non, 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 c'est bien des trucs pour faire les créations. Mais absolument rien de marqué du tout. C'est juste marqué spray scintillant. Et la durée de séchage, 15 minutes. Voilà. Et donc, vous avez tout ça. Couleur perle, donc c'est celui-ci. Vous avez le black, donc c'est celui-ci. Vous avez le rose, celui-ci. Vous avez le silver et le gold. Alors, le silver, c'est celui-ci. Et le gold, ben, c'est celui-ci. Voilà. Et donc, ils étaient au prix de 99 centimes. Et pour une fois, j'ai pris les 5. Je me suis dit, au moins, comme ça, voilà. Parce qu'à chaque fois, je prends un truc, ça me plaît. Je l'utilise. Et quand je veux y retourner pour aller en rechercher, il n'y en a plus. Donc là, pour le coup, ben, j'ai pris les 5 disponibles. Voilà. Alors, ils n'en avaient pas beaucoup. Hein. Franchement, c'est vraiment, je pense, voilà, le produit du moment, quoi. Mais à part, est-ce qu'ils vont encore en faire après? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais pour le coup, on testera ensemble. Voir ce que ça donne. Bah, d'ailleurs, je me demande même si... Vous savez quoi? On va tester tout de suite, d'ailleurs. Hop, vous savez quoi? Je vais prendre un petit morceau de bois. Pas énorme, énorme, parce que ça ne sert à rien. Quoique moi, les petits, mais il faudrait plus que les gros, mais... J'ai un chat dans la gorge. Ouais, on va prendre celui-ci. Il a une forme qui ne... Allez, on se tente lequel? Allez, on se tente le rose. Allez, on se tente le rose. On le fait en direct. Comme ça, au moins. Alors, je suppose qu'il faut bien remuer. Allez, c'est parti. On y va. D'accord. Voilà ce que ça donne. Alors, pour vous dire comment ça peut, comment je peux comparer ça. Et ben en fait, oui, effectivement, ça fait des paillettes. Ça fait nacré. Puis là, j'ai pas la lumière du jour. Hein, c'est la lumière artificielle. Donc, c'est très liquide. Vous voyez, ça coule. Alors, est-ce qu'il faut vaporiser plus loin? Ça sent strictement absolument rien. Alors après, est-ce qu'il faut prendre quelque chose pour frotter plus ou moins pour je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On laisse sécher, puis on se retrouvera pour voir ce que ça donne. Je pense que l'utilisation, je suis peut-être pas... Adult craft item. Alors déjà, voilà, keep away from children. Donc l'accent anglais lorrain, je vous dis pas. Ben, je pense que je devrais traduire. Ils disent de mettre le spray directement sur la surface et après, je ne sais pas. Ça se lave à l'eau. Je ne sais pas. Je regarderai, il faut tester peut-être sur plusieurs matières. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup de... Mais on voit bien les paillettes. Alors, je ne sais pas si à la caméra, on verra grand-chose, mais je vous assure que ça brille. Hein, mais ça m'intéresserait de savoir... je sais pas avec quoi je peux étaler. J'ai pas... Je teste avec vous. C'était censé être une vidéo haul.
Bah écoutez, ouais, faut voir, voilà quoi, c'est de la... En fait, c'est comme de la peinture, mais la crayure pailletée. Mais je pense qu'il faut vraiment pas faire un spray parce que c'est vraiment très liquide. Alors que là, je viens d'étaler avec le morceau du ticket et voilà, comme ça, on voit bien que le bois est coloré, mais ça fait très, 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 très nacré en fait. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai testé. Ma foi, on se fera une idée de sur un autre support. Enfin, après, c'est du bois, donc voilà, mais on se fera sur un autre support. Et pour finir, j'ai trouvé quelque chose. De nouveau chez Action. Pour l'instant, je n'en ai pas vu sur les vidéos. Alors, je ne sais pas si, voilà, je sais pas si j'ai, ou alors j'ai pas vu. Mais j'ai trouvé des pixels chez Action. Alors, il y avait une girafe, il y avait un papillon, il y avait un dauphin. Il y en avait cinq différents, je crois. Ouais, cinq différents. Et ils étaient au prix de 1,29 €. Alors, eux, ils appellent ça de la mosaïque art. Mais clairement, c'est du pixel obese. Donc, c'est dans le rayon des enfants. Je trouve ça un peu con parce que c'est quand même minuscule et je ne laisserai pas un enfant jouer avec ça tout seul sans surveillance de peur qu'une l'avale ou je sais pas. Enfin, quoi qu'à 6 ans, on ne met pas trop de trucs dans la bouche, mais bon, on ne sait jamais. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va en déballer un seul. Celui que je vais garder, puisqu'il y en a un qui va vous être offert déjà pour mes 300 abonnés bientôt. Enfin, que j'ai, mais j'attendais un petit peu que ça se stabilise, parce que bah, des fois, il y a des abonnés qui arrivent juste pour le concours et repartent. Donc déjà, sûr, vous aurez ça à gagner, ça, c'est sûr. Ça change un peu des DP, des points de croix. J'essaye de trouver quelque chose bah, pour vous faire découvrir. Donc, voilà. Alors, on va regarder le petit dauphin que je garde. Voilà. Allez, c'est parti. Alors moi, je fais du bruit. Hein. Mais alors moi, contrairement à Jackie, j'adore quand il y a du bruit. Ça va avec le déballage, quoi. Voilà. Alors, vous avez donc la petite plaquette avec les petits picots. Vous avez donc le petit dauphin donc que vous mettez là, hein, je pense. Voilà. Et vous avez les petites plaquettes. Alors, je ne voyais pas ça aussi petit. Hop, on déballe. Oh là là, je ne voyais pas ça aussi petit. Hein. Ah, la matière, c'est... La matière, c'est excellent quand vous faites ça, là. C'est agréable. Donc, dans le kit, vous avez donc pour 1,29 € de quoi découvrir le Pixel Obese et pour pas très cher, concrètement. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans, puisque sur le derrière de la boîte, c'est marqué. Alors, on y va. Vous avez donc la plaquette, le modèle, et vous avez 2, 4, 8, 8, 11... 12, 13, 14, 18 plaquettes. Voilà, de différentes couleurs. Et je ne voyais pas ça aussi petit. À moins que ça soit plus petit que ceux qui vendent dans le commerce, bah, comme chez Action, pas Action, mince, Amazon et Auraloa et compagnie, quoi. Peut-être que, je sais pas, je n'ai jamais testé, hein, donc ça sera l'occasion de tester. Bon, je range par couleur, mais je me suis dit que c'était une super idée, que bon, pour 1,29 €, même si j'aime pas, bah, je me dis 1,29 €, voilà quoi, vous voyez, c'est pas comme si je mettais 45 €. Là, clairement, ça me convient parfaitement. Et donc, du coup, moi, je ferai le petit dauphin. Et par contre, je vous offrirai donc le petit papillon. Voilà, voilà. Et il y aura certainement un autre DP. Je sais même pas s'il y aura un DP. Je vais essayer de trouver quelque chose, je vous dis, qui change à l'ordinaire. Voilà, voilà. Alors, bah, cette vidéo est terminée.
J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des choses. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Soyez sages, mais pas trop. Bye bye!